Alors Gilles, c'est elle? C'est Jacqueline? Elle. Oui. Ah, j'ai hâte de la voir. M'a écrit une lettre, m'a dit j'ai ma mère habitait là, pendant que sa mère habitait ici pendant... Habitait l'appartement. Attends, depuis, attends, je sais même plus, mais je crois qu'elle habitait 80 ans ici, sa mère. Ouais. Jacqueline. Voilà. Alors, je suis vachement content de vous voilà connaître. La petite vieille, comme vous avez dit tout à l'heure. Oh, la petite vieille. Mais elle est sympa, la petite vieille. Voilà, ben voilà. Comment ça va? Je suis pas grande. Ah non, mais vous avez l'air en forme, hein? Bah ça va, ça ouais. va. Ça, ça a dû vous faire un choc de voir l'appartement. Vous voyez, ouais. la sonnette, ouais. c'est toujours la même. Ah ouais. Toujours la même chose. La couleur des murs, elle a un peu changé quand même. Hein. Ah bah moi, hein? c'était gris. Mais voir, ouais. Donc là, c'était pas une chambre, là? Ah non, c'était la salle à manger. Ah, c'est la salle à manger, là. C'était la salle à manger. Vous avez habité là de quand à quand, Jacqueline? Moi, j'ai habité de 21, c'est-à-dire que je suis pas née là. Ouais. Mais je suis arrivée peut-être 6 mois après. Ouais. De 21 à 43. 21 à 43. Et vous êtes partie quand vous êtes mariée? Oui, je me suis mariée là. Ici? Oui, oui. Oh, j'avais énorme. J'avais une photo, il y a une commode là. Ouais. J'avais une photo de moi et mon mari là. Ouais, ouais. Et ça fait 61 ans qu'on est mariés. Non. Ah, c'est beau, moi ça fait que 20 ans maintenant. Ça vous plaît au moins comme ce qu'on en a fait, c'est non? C'est très joli, oui, très. Non, c'est sûr, hein. Dites-moi, sinon on repeint tout, Jacqueline. Vous avez Non, 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 c'est très, très bien. On est capable de tout repeindre. C'est quand là, la salle de bain? Voilà. Quand j'ai loué cet appartement, j'ai pas ça vu... Ça avait déjà été réparé? Ça a été... Voilà, quand votre mère, en 80, c'est ça, elle a... Elle est partie en 79. 79. Donc, ils ont refait l'appartement. Ah, oui, moi, j'ai loué en 80. Ah bon? Ah oui, moi, je suis... Tout de suite après votre mère. Ah, ben oui, en effet, oui. Et là, quand j'ai loué l'appartement, j'avais pas vu ça. La porte était fermée comme ça. Oui. Et oui. Donc, moi, je loue l'appartement. Tiens, j'avais des rideaux rouges comme ça, moi. Ah. C'est drôle. Et je dis, ça me plaît. Oui, et le lendemain, je reviens et je découvre qu'en fait, ici, il y avait la salle de bain. Un petit couloir. Qui est devenu mon bureau au fond, voilà. Exactement. C'est mon bureau. Ça, c'était la chambre de ma mère. Ceci étant, la façon dont ils ont fait les travaux à l'époque, c'était pas non plus extraordinaire. Là, c'est WC. La WC, absolument, oui. Couloir. Voilà. Est-ce qu'il y avait un prolongement là-bas? Est-ce qu'on pouvait passer à des chambres de bonne ou des trucs comme ça? Ah, mais nous, on avait tout l'appartement juste de l'autre côté. Ah. C'est génial, avec toute la famille. T'entends ça, Carlos? Oui. Tu te rends compte, c'est incroyable, non? Jacqueline, c'est Carlos qui nous fait la cuisine. Jacqueline, elle a vécu ici, tu vois. Ah oui. Mais c'est vrai, la cuisine me paraissait plus grande. Ah bon, parce que vous étiez plus petite, peut-être. Il y avait un meuble, là. Ouais. Je ne sais pas s'il est resté ou c'est... Ah, moi, quand je suis arrivé, il n'y avait rien. Hein. Ah bon, il y avait toujours un placard, là. Ouais, oui. Puis alors là, c'était l'évier. Ah bon, oui. Ça, c'était pas grand, hein. Et alors, dites-moi, vous vous appelez Melcion d'Arc? Oui, oui. Vous êtes parente avec Jeanne d'Arc? Oui. Non, vous avez apporté le machin, si ça vous amuse. Faites voir. On descend du frère aîné de Jeanne d'Arc, Jacqueline. C'est énorme. Voilà. Ça m'étonne pas que je sois tombée dans cet appartement en même temps. Ah oui. C'est pas du côté de ma mère. Hein. Ouais, c'est du côté de votre père, Melcion d'Arc. Voilà. Du côté de mon mari. Du sang glorieux de Jeanne d'Arc. Oui, c'est ça. Donc vous descendez de Jeanne d'Arc? Oui, du frère aîné. Vous entendez des voix des fois, non? Ben non. Non, c'est pas héréditaire. Ben, d'abord, ça a été cambriolé aussi deux fois. Ah oui? Deux fois. Pendant la guerre? Non, pas pendant la guerre, avant. Ah bon? Avant la guerre. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme souvenir? Je vous dirais que j'ai des souvenirs comme ça, mais ça n'est pas... J'ai mes amis qui arrivent. Restez là, je vais vous les présenter, Jacqueline. Bon, dites donc, là, je suis pas... Quatrième! Bonjour, Pierre Bénichou. Jacqueline, vous connaissez Philippe Tesson? Ben, ça me dit quelque chose, mais... Oui, Philippe Tesson, c'est celui qui avait le quotidien de Paris, Tesson. Ah oui. C'est le là-bas, on va rigoler. Un jour, Christine Rapin et Putman qui sortaient du dîner. C'était toutes les deux trucs, tout ça, c'est adorable. Ils ont dit, on n'a pas dit grand-chose, ils ont tout le temps parlé. Christine Rapin a dit, mais il vaut mieux laisser parler les gens qui sont tout pour les choses.
l'habitude de dîner en ville. Bon, c'est bien connu. Je suis connu le soir du travail. Bonjour. Messieurs, bonsoir. Bonjour, comment ça va ? Monsieur Bénichou, mais quel plaisir. Ça va bien ? Bonjour Thierry. Salut, fils. Ça va bien ? Ah, tu sais qui est là ? Ça va. Monsieur, bonsoir. Ça va bien ? C'est une, la dame, c'est extraordinaire, la dame qui a habité ici. La dame qui a habité ici, c'est-à-dire oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'est mariée ici en 43. C'est fait, elle revient. Oui, elle revient. Elle revient pour l'appartement. Elle revient récupérer les lieux. On les verrait, non ? On peut rester, quand même. Oui, oui. Jacqueline. Voilà, Pierre Bénichou. Bonjour, madame. Ah, bah oui, ça joue. Ah, bah ça y est, tu vas maintenant le tourner. Assieds-vous. Je vous aime beaucoup et je vous regarde toujours. Ah, ça, ah bah attends. Ouais. Voilà une preuve de bon goût. Voilà déjà quelqu'un oui, qui. Oui, oui, ça qu'est-ce que tu vois, bien, Pierre en 43, je vais te dire quel âge tu avais. Tu non, avais 15 ans en 43. Ouais. Non, bah alors vous savez, la meilleure, c'est que Philippe et Pierre sont nés le même jour à 10 ans d'intervalle. C'est-à-dire, lui, il est né en 38, lui, il est en 28. Et alors, autre bizarrerie, je suis né le même jour que la maman de Jacqueline, le 6 janvier. 6 janvier. Ça s'arrange. On est plutôt d'origine alsacienne. Voilà. Non, mais Jeanne d'Arc. Parce que du côté, moi, mon Lorraine, côté, ouais. Non, mon côté, c'est plutôt alsacien. Je m'appelais Turnagère. Ah oui, oui, d'accord. Ah, Turnagère. Turnagère, et ils ont atterri à La Rochelle au moment de l'édit de Nantes. Il y a beaucoup de protestants. Hein. C'est un peu le problème qu'on a découvert ce soir. Il y a beaucoup de protestants dans la famille de Jeanne d'Arc. Alors votre mari, il a la preuve de sa lignée, oui. De ça ? Ah oui, oui, oui. Oui, on a tout le... Il a son arbre. Il est gentil de ne pas parler à notre ami sur ce ton. On n'est pas en 1943. Ouais, il y a des preuves de sa lignée. Vous voulez qu'on fait cette preuve ? Vous voyez un peu comment c'est un peu plus... Mais c'est drôle, la cuisine, c'est un peu plus... paraît petite. Bah, parce que vous étiez plus petite, je vous ai dit. Voilà. Oui, oui. Alors, parce que là, il y avait un... Ils font des économies, sur la cuisine. Là, il y avait un énorme fourneau. Ah ouais, non, là, il ça arrive directement du Grand Beffroi. Non, mais un fourneau, vous savez, comme autrefois, ouais. Noir. C'était pendant l'enfance, vous étiez là. Vous étiez enfant ici. Oui, oui, ouais. J'ai dû arriver. Trouver les lieux d'enfance. Avant, et vous n'étiez jamais revenu depuis ? Non. Alors... Oui. Là ? Oh, ah oui. 5 ans. C'était depuis 25 pendant... ans. Ouais, depuis 25 ans. Hein. C'est vieux. Vous ressemblez davantage à Denise Gray qu'à Claude Sarraute. C'est qui ? Oui, bonjour, c'est Philippe Alexandre et Béatrix Delaunay. Ah, bon, quatrième étage, Philippe. Bon, à tout de suite. Enfin, vous avez les yeux bleus. Pour tout dire, vous avez, la chance d'avoir les yeux bleus. C'est vrai qu'elle ressemble plus à Denise Gray qu'à Claude Sarraute. Pour une femme, c'est très joli, les yeux bleus, oui. Pour une femme, c'est ravissant. Oui, j'ai les yeux bleus, mais ils ne sont pas grands. Ils sont petits. Ils sont petits, mais lumineux. Pas mal, Jacqueline. Ils sont petits, mais lumineux. Est-ce que tu as faim ? Oui, je meurs de faim. Ouais, mais c'est une bonne maladie. C'est là, les toilettes, c'est la première à droite, là. Oui, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Ça va ? Je pensais que vous aviez fait une salle de bain beaucoup plus grande. Non. On ne pouvait pas faire une salle de bain plus grande. Mais non. On a ça, une toute petite salle de bain. Étonnée, bon. Enfin, on en a deux quand même, hein. Donc on ne se marche pas alors trop là, sur les pieds. Mais... Vous voyez, ouais. Vous... Alors, je vous présente. Voilà. Bonjour. Ça va. Bonjour, monsieur Philippe. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Philippe Alexandre. Je suis chez moi. Philippe Alexandre, voilà. Béatrice Delaunay et Philippe Alexandre. Vous connaissez Philippe Alexandre ? Ben si, je vous connais. Mais si, avec Serge Julie et Christine Alpinte, les Cahouettes. Ouais, les Cahouettes, le café du commerce. Oh, mais si, c'est beaucoup mieux que chez Christine, hein. Il n'y a pas de comparaison. Boisson mis à part. Est-ce que tu connais Pierre Bénichou ? Certainement. Voilà. Depuis combien d'années ? 25 ans. Voilà. C'est-à-dire que Pierre, c'est incroyable. Alors, j'ai connu Pierre chez Marcel Dassault, qui l'imite merveilleusement. Hein, c'est le meilleur imitateur sur la place de Paris de feu Marcel Dassault.
Et il faisait, comme nous tous, il faisait des articles à toute allure sur spécialisé la, princesse, sur ouais. la princesse ah Margaret, ouais. la princesse Beth. T'as fait ça, toi. Je suis l'inventeur de la presse au moment du mariage, non. Soraya Chadiran, il lui a dit « Je t'aime en français ». Non, non, pardon, c'est Faradiba. Ouais. Il lui a dit « Je t'aime en français », c'est moi. C'est toi qui as inventé ça. Tu as été le Stéphane Bern de l'époque. Mais moi, j'ai lu cet été, je n'avais pas lu à l'époque, la bio de Dassault Parasouline, qui a été un énorme ouais, succès. Ouais. Et c'est vrai que c'est un personnage absolument incroyable. Ouais, enfin, c'est très fort, cette histoire des camps. Comment ce type se retrouve, alors qu'il avait un pouvoir déjà considérable, évidemment, avant la guerre. Ouais, ouais. Comment il se retrouve dans les camps, comment les communistes l'ont sauvé. Comment après, il s'en est souvenu, comment il a toujours aidé les communistes et tout. C'est étonnant. Mais moi, quand j'étais embauché par lui, un tout petit peu avant Pierre, et quelques mois avant, j'étais embauché pour un journal qu'il faisait à Beauvais. Il avait acheté au prix de gros le journal, l'imprimerie et le siège de sénateur. Tout ça à la même personne qui devait probablement avoir des difficultés financières. Et donc, tout le monde accepte les enveloppes, ça dépend de la grosseur de l'enveloppe. Ah oui, c'était ça. Et alors il racontait, il était très prolixe hein, sur Buchenwald et les communistes, etc. Et il adorait. Ce qui est extraordinaire, c'est comment il s'appelait Bloch, donc avant-guerre, et comment après les camps il s'est appelé Dassault, à quel point il tenait à ça. Et jusqu'à, d'ailleurs, c'est un truc que je ne savais pas du tout, jusqu'à renier à la fin de sa vie son judaïsme. Oui, complètement. Ah bah non, mais ça a choqué d'ailleurs beaucoup sa famille. Quand il est mort, moi j'avais fait un papier, je me souviens, dans l'Observateur, et je disais que c'était le dernier pied de nez qu'il avait fait de sa vie. Ouais. Il avait tout gagné sur tout le monde. Il avait gagné sur ses concurrents en aéronautique, il avait gagné sur les autres riches, il était beaucoup plus riche qu'eux, il avait gagné sur le monde, comme on disait, il avait gagné sur De Gaulle, puisque De Gaulle le haïssait, il disait, il veut être ministre, il n'est pas assez riche comme ça. Bon, il est arrivé à être plus que ministre, et en plus, ce petit juif, parce que le seul truc qu'on peut dire, c'est un juif, il s'est fait enterrer à Saint-Louis-des-Invalides. Avec, bien sûr, et c'est le dernier pied de nez de Marcel Dassault. Oui. Non, il n'aimait pas beaucoup les juifs, parce qu'il disait que il y avait des juifs qui avaient piqué pendant qu'il était à Buchenwald, les robes à Madeleine. Ouais. Ils avaient piqué des robes chez lui. Et que, enfin, bref, il n'était pas très clair sur ce point. Il faisait partie de ces juifs parisiens et français depuis très très longtemps, qui sont très très anti-religieux, très laïcs. Hein. C'est vrai qu'en France, il y a une tradition qu'on a un peu oubliée maintenant. C'est les juifs de France, quoi. C'est les juifs de la plaine Monceau. C'était Blum, c'était Proust. C'est d'ailleurs, il a quelque chose de proustien. C'est Camondo qui habitait là-bas. Camondo, tout ça. Qui était son parent. Hein. Musée Camondo, c'est magnifique. C'est les grands libéraux du 19e. Grands libéraux et en même temps, grands salopards, parce que pendant la guerre, ils ont laissé tomber complètement jusqu'en 1942 les marchands de casquettes. Ce qu'ils appelaient les marchands de casquettes. Ouais. Donc tous les juifs de Pologne, tout ça, terriblement, parce qu'eux étaient protégés. Parce que avant d'arquer de Pellepoix, Xavier Vallat les protégeait tous, jusqu'à l'arrivée d'arquer de Pellepoix. Ils ont été protégés très 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 longtemps. Hein, jusqu'en 42. La rafle du Veldiv, il n'y a pas un Français. La rafle du Veldiv, il n'y a que des juifs étrangers. On va passer à table. Jacqueline, alors vous, Jacqueline, je vous le dis, c'est pas une invitation en l'air, vous revenez quand vous voulez. Eh ben, je vous téléphonerai, sûr. Voilà. Bah, c'était la cuisine contente. Déjà bien, hein. Oui, c'était la cuisine. L'évier était là, oui. Oui. Au revoir, madame. Bon, au revoir, et j'étais bien contente de vous voir. Oui, quatrième étage, s'il vous Merci. Plaît. Merci. J'ai répondu. T'as répondu, t'as dit quatrième. Quatrième. Au revoir. Merci. Le sac. Donc Jacqueline, il a trois pâtés de maison, hein. Il va revenir. C'est la même, hein. Là, il y avait, regardez, venez voir Jacqueline. Là, il y avait les quoi, là? Rien? Là, c'était la... Oh, mais oui, ça s'est fermé. Moi, j'ai mis ça, oui, j'ai mis ah, ça. Oui, non. Qu'est-ce qu'on fait dans un ascenseur? On attend que ça se passe. En général. Sans rue l'un sur l'autre. Tenez, madame. Merci beaucoup. Bah, écoutez, ça a été très sympa. Ça, vous trouvez sympa, mais toi, oui, là, ça va? Ouais. Ils sont marrants, hein? Oui, oui. Bah, je crois que je vais y revenir. Oui. Oh, Michel, bonsoir.
Oh, quelle merveille. Bonsoir, bonsoir, bonsoir madame. Enchanté. Alors, bonsoir, madame. Non, non, c'est pas la meilleure. Jacqueline a habité ici. Et elle s'est mariée ici en 43. Et après, elle est partie avec son mari. Oui, oui, quand même. Ah, oui. Alors, vous n'êtes pas trop choquée Les couleurs un peu. Non, non, ça va. Il y a des tas de trucs qui m'ont rappelé beaucoup de souvenirs. Et puis, voilà. Bon, à bientôt. Bon, hein. Je peux vous embrasser? Oh, mais oui, certainement. Allez, portez-vous bien. Bon, allez. À bientôt, Jacqueline. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, quand vous voulez. Enfin, vous venez quand vous voulez. Oui, d'accord. C'est génial. On va passer à table tout de suite. Pierre, j'arrive, Michel. Bon, on passe à table. Michel est arrivé, on passe à table. Comment ça va? Eh bien, écoute, très bien. T'as remis un prix, qu'est-ce que tu faisais, là? Après, la télévision qu'on n'a pas remis, parce que... Ah bon, personne ne méritait. Parce que personne ne méritait, exactement. Il n'a pas été attribué cette année. Hein, ouais. Ah bon? Alors, toi, tu es là, Michel. Hein? Ah, il y a un menu. Parle déjà trop. Philippe, vous êtes où? Ici. Vous êtes là. Voilà. Ici. Je suis content de vous. Ça me fait plaisir. On se connaissait pas. Et voilà. Blanc de poulet fermier cuit vapeur, jeune poireau à la vinaigrette, c'est léger. Très léger, light. Bien de l'artichaut et légumes confits, sorbet aux amandes de la mer. Très bien. Et c'est vert. Ouais. Béatrice ici. On va mettre Pierre ici. Allez-y. Et bien alors, Pierre Bénichou ici. Voilà. Bénichou ici, vous êtes là. On dirait une émission de télévision. Tiens, Bénichou, tu es là. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous êtes le grand Philippe Alexandre. Alexandre, on lui a servi des cacahuètes avec des cahuètes avec de la... Vous m'impressionnez, quand j'étais jeune, je vous écoutais. On a servi des cahuètes avec la vodka, mais avant le repas, il faisait pas ça. Ce qui est incroyable, Pierre, c'est que t'es toujours dehors. Parce que moi, chaque fois que je vais au Matisse, t'es là. Non, je Castel, pas j'y vais moins. Je suis pas toujours dehors. T'es toujours dehors et chez très Nanti, tard. Chez Nanti, non, tu c'est pas vrai. Mais non, c'est comme les jours où on se croise, vous dites, je t'en fous plus. En plus, écoutez, moi, de toute façon, ma santé est à moi et foutez-moi la paix. Gilles, vous avez pensé à moi, mon grand? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Tu vois, il est chez lui, là. C'est incroyable. Je me vois dans la glace, je me trouve absolument super. Mais tu es magnifique. Non, je vous trouve tous pas mal, mais un peu attigés quand même, parce qu'on ne se voit jamais bien. Et c'est vous qui me faites des plaisanteries sur mon âge. Non, mais c'est à mourir de rire. Je vais te dire, tu as vraiment l'importance des gens qui ont de l'âge. C'est ça, en fait. C'est ta carrure, tu vois. Tu te dis que tu as l'insignifiance des gens qui n'ont rien. Mais c'est la discrétion des gens qui ont encore de l'avenir. À la vôtre, Philippe. À la vôtre, Béatrice. Et je suis très heureux de vous avoir, vraiment, ça me fait très plaisir. Moi aussi. Merci Thierry. Michel en plus. Quand Michel était à France 2 et que j'étais dans son bureau, je me souviens, entre chaque rendez-vous, elle se remaquillait entièrement. Ah ouais. C'était extraordinaire. Mais moi, ce qui m'a frappé... Il y a la secrétaire qui dit, il y a machin qui arrive. Une seconde. Mais Michel, même pour écrire vos papiers, vous maquillez. Moi, j'avais lu ça quelque part et je ne peux pas écrire un papier sans penser à Michel Cotta qui se remaquille. Toi, tu vous maquillez, vous aussi, pour écrire vos papiers? Moi, je fais un peu les yeux, c'est tout. Un peu de col. Bon, on va commencer, on ne va pas les attendre. Ben non, ils sont vraiment mal élevés, de venir. Alors, il a un bouclage de l'Express, on peut rien dire. Qui donc? Barbier, il a un bouclage. Barbier, bouclage de l'Express, d'abord, c'est un journal... Très bon, mais je vois pas pourquoi on me met à côté d'un mec de l'Express. C'est un excellent concurrent. Il nous talonne, mais je plaisante. Bon. Ce que je veux vous dire quand même, c'est que vous savez que Philippe et Béatrice ont fait un livre sur le cuisinier Carême. Donc à la fin du dîner, on aura un gâteau façon Carême. Voilà. Alors Carême, voilà, explique. Béatrice, explique un peu. Oui. Eh bien, Carême, c'était le plus grand pâtissier sous Napoléon. Ça a été le plus grand pâtissier de la France, en fait, puisqu'il a créé le premier, il a écrit le premier grand traité de pâtisserie de l'histoire du monde. Et il a tout inventé, Carême. Hein. Il voulait être architecte, alors... Ragnaud, il disait l'équipe pendant ce temps-là. Il voulait être architecte, et c'est vrai que la pâtisserie, à l'époque de la Révolution, est-ce que vous savez ce qu'il y avait dans une pâtisserie à l'époque de la Révolution? Il y avait, c'était une devanture ouverte à tous les vents. Il y avait un grand four avec des marmitons tout noirs qui enfournaient des gros pâtés en croûte, des tourtes, des gâteaux de Savoie, des pitiviers, des gros babas, pointe à la ligne. Et Carême, il est arrivé avec ses doigts d'architecte et il a allégé tout ça. Il est devenu le roi de la pâte feuilletée. Il a inventé le vol au vent, le millefeuille. Avec les boudoirs, il a créé la charlotte et il a créé surtout le petit four. Non.
Le petit four qui pouvait se manger sans fourchette et le sans assiette. Individuel, oui. Voilà, ouais. Qui va ouvrir la porte à tous les gâteaux individuels. On est bouché pendant qu'on dansait dans les thés. C'est l'inventeur du McDo, du McDo pâtissier. Il était installé rue de la Paix, qui s'appelait rue Napoléon. Mais il a travaillé pour Talleyrand, puis pour Cambacérès en même temps, mais il n'aimait pas Cambacérès, Radin. Et après, il a travaillé pour le Tsar, quand le Tsar Alexandre est venu à Paris, à l'Élysée. Il a travaillé pour Murat à l'Élysée, et quand le Tsar est arrivé, Talleyrand lui a dit « Prenez carême, c'est ce qu'il y a de mieux ». Du coup, il est devenu, toute l'Europe se l'est arrachée. C'est formidable, mais c'est le début de l'anticléricalisme. Parce que le plus grand pâtissier de France s'appelle Carême, avouez que c'est quand même mais, quelque chose de terrible. Si ça s'appelait Ramadan, comment il aurait pu s'appeler Ramadan, oui. J'ai acheté mes gâteaux chez Kippour, non mais je veux dire, c'est un peu. Carême, extraordinaire, Carême. Et Carême, c'était son vrai nom, hein. Comment vous est venue cette idée de faire un livre sur ce pâtissier, quand même, c'est... Parce qu'ils sont gourmands, comme c'est pas non, bien. Non, j'avais fait un article gourmand, sur les gâteaux, sur les gâteaux pour Cosmopolitan, et j'étais tombée sur Carême, parce qu'il a tout inventé. Ouais. Non, mais c'est formidable parce que c'est... Bon, on n'a pas fait un livre de cuisine. Ce qui est formidable, c'est qu'on raconte une époque qui était folle. Hein. Ouais. La fête. Il sortait de ces batailles épouvantables. Il faisait une fête à tout casser. Il y avait des soirées inouïes à Paris. Mais on ne rit plus comme avant. Subventionné par Napoléon lui-même, qui voulait qu'on soit... que la France soit le phare de... Alors Thierry, vous voyez une chose, c'est que Carême, il a surtout inventé, il voulait être architecte. Et alors, vous voyez la beauté d'une assiette, la décoration, c'est lui qui a inventé ça. Il a dit, il ne faut pas seulement que ce soit bon, il faut que ce soit très bon. Non, écoutez, voilà. C'est mieux comme ça. Mais comment s'appelle ce livre? Carême. Le roi Carême. Le roi Carême, c'est ce qui... Il vient de partir. Pareil, chez Albin Michel. Allô ? Bonsoir. Quatrième étage. Je me prie. On y va, allez, hop. Mais nous, on retient Vatel et on retient pas Carême. Non, maintenant, grâce à vous, on va retenir Carême. Vatel, c'est la marée. Allez-y. Merci. Quatrième. Et il s'est transpercé avec les. Et le prochain, c'est la tour. Retard décent. Oui. Enfin bon. C'est pour une bonne cause, l'information. La culture. Ah oui. Et désormais la grâce. Alors Gilles, ce soir c'est dîner vert, hein, c'est ça Gilles? Oui, tout à fait. Alors c'est quoi Gilles? Dis-nous là. Homard au jus de sésame et citron au sel. Non, fais gaffe parce qu'il rigole pas, Philippe Alexandre. Oui, attention. C'est, pas, c'est un mec qui a des sujets sur lesquels il plaisante pas du tout. Là, ah non, bah, ça c'est des sujets sérieux. Le nombre de livres politico-culinaires. Ce sont les vrais sujets sérieux. Ça. Non, l'attends pas parce que... Non, mais il arrive en fait. Je crois que c'est lui qui a sauté. On fait de la grande politique à table et du temps de Talleyrand. Ah bah, Talleyrand. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. J'ai eu ton coup de fil, on était dans le taxi. Voilà. Antea. Enchanté. Enchanté, entrez. Alors on va mettre vos affaires ici. Or j'ai appris que ça avait commencé à la fin du 18e. C'est une chambre d'actrice. C'est Antea. Oui. Antea. Voilà. Moi-même. Vous êtes amis. On va le dire comme ça. Voilà. Hein? C'est une grande comédie. Je sais tout. Hein. Allez-y. On recevra 30 personnes tous les jours. Vous connaissez tout le monde? Il y a même Philippe Tesson. Bonsoir. Papa. Bonsoir. Papa. Ah, mon Christophe. Alors, installez-vous. À côté d'un membre du Nouvel Observateur. Ah, voilà, il a déjà fait la réflexion. Il a déjà fait une réflexion disant que lui, son journal était bouclé depuis longtemps. Que... Ah oui, mais nous, c'est de l'actualité. C'est différent. Je connais Antea. Ah bon, d'accord. Je n'ai pas vu son spectacle, mais comme elle m'avait raconté son spectacle avant de l'écrire, je sais de quoi il s'agit. Bon. Elle a fait un montage. Voilà. Elle en parlera mieux que moi. Non, mais c'est ça. Elle a fait un montage de textes de Fedo, dont le dindon et l'armature, le squelette. Voilà. Et voilà. Tu vas aller le voir, parce que tu vois tout. Je vais y aller un de ces jours. Mais attends, il a beaucoup changé. Je crois que ça marche très bien. Elle a pas besoin de moi. Le dernier dîner où il était là, on lui a dit la rentrée théâtrale. Il a fait ouais, bouffe. Ah non, ouais. J'ai dit c'est nul. Ce qui marche le mieux, c'est ce que moi personnellement j'ai peut-être le moins aimé, c'est les petits crimes conjugaux de Schmitt. On n'a pas aimé non plus, on l'a vu le même soir d'ailleurs.
Ça, ça marche bien. J'ai mais pas il y a des, il y a des choses qui marchent. Il y a des cailloux plein les poches. Oh, oui. C'est magnifique. C'est charmant. C'est superbe. C'est un spectacle, hein. Mais extra. C'est quoi des cailloux plein les poches? C'est quoi en théâtre? C'est merveilleux. Ce sont deux acteurs absolument sublimes qui a. Ils sont seuls sur scène et nous racontent toute une histoire où un défilé de personnages est là sur scène. Ils les interprètent tous merveilleusement bien. Ça se passe en Irlande. Il y a une grande équipe de cinéma qui vient de temps en temps tourner des films là-bas. Il y a plus de boulot. L'agriculture marche très très mal. Et donc tous les paysans doivent faire de la figuration. Ah ouais. Et donc c'est pas mal, comme idée. L'Amérique, le cinéma, l'argent, la force qui débat. Et tous ces pauvres gens qui sont là. Il y a surtout deux acteurs formidables. Protéiforme. Ils sont La Bruyère. Le petit métayer. Ouais. Grandiose. Le petit métayer. Ouais, formidable. Ah ouais, formidable. Immense ouais. Acteur. Mais dis-moi, t'as vu la pièce d'Emmanuel Chenier, là, les Dagableurs? Ah, catastrophique. 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 Tu veux que je te montre? Ouais. Et Hedda Gabler, c'est quand même une femme superbe. Ouais. Qui donc? Hedda Gabler. La pièce d'Emmanuel Seigny à Marigny. Altière, forte, maîtrisant tous ses passions, passions des autres. Enfin, c'est une femme pleine d'elle-même, maîtrise d'elle-même, extraordinaire. Alors, joue la nous. Elle est comme ça sur la scène. Ouais. C'est horrible à faire. Ouais. C'est méchant ce que je fais. Ouais. Mais on a l'impression, que son mari, Polanski, l'a mise en scène pour la naufragée. Pour la naufragée. C'est pas ça l'histoire. Je pense qu'elle a dit à son mari, toi tu fais le pianiste, non. Moi je t'attends à la maison, mets-moi en scène. Petit crime conjugal, en fait, c'est là. Ouais. C'est un petit crime conjugal. Mais quel talent. Vous savez comment j'appelle ça? Paris. Ah voilà. Vous savez que Dassault a eu deux vies. Il a eu une vie constructeur d'avions, déporté à Buchenwald, ouais. Il revient et c'était un vieillard mourant. Et sa deuxième vie a commencé vers 64-65 ans, ouais. Quand sa femme a été enlevée par des voyous. Et là, il a retrouvé une sorte de... Et il a tenu jusqu'à 85 ans. Il adorait Madeleine, il disait Madeleine, c'est toute ma vie. Dès que Madame Dassault, Madeleine, a été enlevée, nous avons été quelques-uns à dire celui qui a fait le coup, c'est le gardien corse de Casanova, du quatrième étage, ouais. Qui était un voyou sympathique. Et c'était lui. Il avait trois vies. Il était huissier de jour à Jour de France. Il était vendeur de programmes au Théâtre des Champs-Élysées. Il était gardien de nuit au Cercle Gaillon. Voilà, j'étais sûr que... Hein, non. Ça ne t'échapperait pas. Et un jour, on s'aperçoit, on en apprend dans les journaux, que le portier de nuit du Cercle Gaillon a été chloroformé, battu, et qu'il a été obligé de donner la caisse. Ah. Et on dit, Casanova, le pauvre, il arrive avec un œil comme ça, et il commence... Nous avions à ce moment-là des voitures de sport, parce qu'on était payés très cher. Je me souviens, j'avais une voiture bleu pâle, et notre rédacteur en chef, Henri Coquelin, avait une Lancia rouge, tu te souviens? C'était une époque où les journalistes gagnaient leur vie. Tesson n'était pas encore placé par là. Il n'y était plus déjà. Donc, Casanova n'y était plus à l'époque. Si, et il a dit... Elles sont bien, ces bagnoles. 15 jours passent. Et on les vole? Pas du tout. Re-hold-up au Cercle Gaillon. Et on dit, mais quand même, ce Casanova, il n'a pas de chance. Il revient un peu plus assuré. 10 jours plus tard, il dit, combien elles valent, vos voitures? Je lui dis, écoute, sois gentil, tu es fou quand même. Tu te fais attaquer deux fois, soi-disant. Tu sors de l'hôpital et tu veux acheter des voitures rouges décapotables. Oui, ça va se voir. Ça va attirer l'attention. Il m'a dit, je suis complètement couvert. Et je lui ai dit, mais comment? C'est politique. Il m'a dit, ce que disent tous les abrutis. C'est politique. Là-dessus, nous avons, et je suis responsable du kidnapping de Madame Dassault. Je peux vous le dire. Dassault m'aimait. Il me disait, Bénichou, c'est pas un nom, c'est un surnom d'affection. Vous voulez me raccompagner à la maison? J'ai avec plaisir, Monsieur Dassault. Il fallait l'appeler Monsieur Dassault. Et on montait, il avait une Cadillac, et non pas une Rolls-Royce, conduite par un chauffeur. Et on s'arrêtait au kiosque, à Journaux, de la rue de la place de Passy, là, de la place de... Le type descendait,
Et il n'avait pas le droit de couper le contact parce qu'il avait peur d'attraper froid. Ouais, vous vous rendez compte? Son écharpe. Je vais pas attraper froid encore une fois, j'en ai eu assez dans les camps. Il dit bon. Et il arrêtait, il lui achetait toute la presse qu'il lui mettait dans son auto et il continuait. Et j'ai dit au chauffeur, mais qui m'a raccompagné après, parce qu'on allait l'accompagner, je vous inviterai bien à manger, mais Mme Dassault, vous savez, quand les domestiques sont pas là, elle ferme le frigidaire à clé, il n'y a rien à manger. Bon. Mais je te jure que c'est non, vrai, là, tout ça. Là, tu exagères. Je te le jure. Non, tu exagères. Je te le jure. Mais enfin, tu es en jolie. Si tu commences à ne pas me croire, tout est foutu. Bon. Et je dis au chauffeur qui me ramène, je lui dis, mais... Ça, c'est du bénichou, hein. Que vous pouvez mettre deux tous les jours, vous laissez la clé sur le contact... Et vous allez acheter les journaux? Il me dit, ben oui, qu'est-ce qu'on risque? À l'époque, c'était pas le Far West, Paris. Bon. Et j'arrive et je dis à mes amis Marvier, Bonnecarrère et Obuano, toi, tu étais un peu sérieux. Tu te rends compte, le type qui veut kidnapper Dassault, et on a joué la scénette 10 fois en disant, voilà, si on était t'arrêtes, là... Tu t'arrêtes au kiosque et... Tu t'arrêtes au kiosque, tu montes. Ah, ouais. Qu'est-ce que dirait Dassault? On disait, ben, alors faites attention, c'est que je vaux de l'argent. Vous avez failli me bousculer. Vous aurez ce que vous voulez, mais surtout, ne me faites pas de mal. Bon, on jouait ça. Je te jure que c'est vrai. Cet abruti de Casanova, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et pour rire, on lui dit, on est sur un coup. Et c'était quoi le coup? Il dit, on va faire Dassault, on dit. Alors on dit, ah bon, c'est bon, ça peut m'intéresser. On oublie. Puis c'était un truc d'une journée. 3 ans plus tard, Madame Dassault est kidnappée. Et je dis à mon ami Obuano, je dis, c'est ah Casanova. Oui, il me dit, tu crois? On était tous persuadés. Le temps passe, on s'aperçoit, après le truc dont je vous fais grâce, que c'est Casanova qui avait fait ce truc. C'est extraordinaire, quand même. Mais écoute, il a... Non, très antipathique, très joli, mais très antipathique. Et c'est souvent le cas, c'est drôle. Vous avez remarqué? Madeleine était là, et elle pouvait rien manger. Et les mecs, les frères d'Armon, qui l'ont kidnappé, des voyous du 14e, de la Porte de Vendre, l'ont kidnappé avec Casanova, la mettent dans une maison, ils ont dit, attention, il paraît qu'elle n'est pas bien, ils avaient acheté des médicaments, ils avaient tout su, vraiment. Elle disait, et elle dormait dans un truc comme ça, elle était contente, elle disait, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai faim! Elle dit, mais qu'est-ce que vous avez mangé, Mme Dassault? Elle disait, oh, mais j'ai pas le droit d'en manger. En compte, la bourgeoise qui dit j'ai pas le droit d'en manger, c'est quoi? Cervelle au beurre noir. Ah, là, là. Et ils lui ont fait de la cervelle au beurre noir pendant les 3 jours où elle est restée là. Et elle n'a jamais été aussi heureuse. Elle s'est régalée. Quoi, elle s'est régalée? Elle saucée, monsieur. Quoi? Des billets si, en il donnait des billets de 500 francs par jour. Oui, il sortait, oui. Il disait, alors, et le journal a été bon cette semaine. Il était... Et puis il disait aussi, il disait une chose. On n'a pas connu ça. L'audience, c'est fait une bonne audience, Ardisson. Thierry, il disait cette chose formidable. Bon, quand le numéro sortait, il faisait venir tout le monde dans son bureau. Il disait, ah, ben, le numéro est pas mal. Puis il donnait des primes et il disait naturellement, parce qu'il était rédacteur en chef. C'est un titre inouï, président, hein? Rédacteur en chef. Et il disait naturellement, je devrais commencer par moi. Et il disait, quand il sortait l'argent liquide, il disait, bon, alors vous êtes les journalistes qui gagnaient le plus d'argent de France, c'est normal, il me regardait, moi il m'appelait plus mon or. Alors il me disait, de toute façon vous gagnez tous tellement d'argent ici, que si je vous donne de l'argent officiellement, vous allez payer plus d'impôts. Et qui sait que si vous payez beaucoup d'impôts, qui sait qui va être plus riche? Marcel Dassault. Alors autant je vous donne sur la petite caisse. Et il sortait sa liasse. Bon, et il nous donnait des sous comme ça. C'était quelque chose. Primes, hein. Il donnait des primes aussi. Il donnait de l'argent comme ça. Et il disait, vous savez... De toute façon, j'aime pas beaucoup les articles que vous faites, ils sont tristes. Qui a eu encore l'idée de faire écrire Daniel Rops? Il est d'un triste. Alors on disait, mais non, mais c'est Monsieur Benouville mort qui vous a dit... Mort ou est ta victoire? Oui, mort ou est ta victoire? Tu sais, l'écrivain catholique, il est d'un ennui. Allez, il n'y a qu'à m'enlever ça. On me dit, mais on ne peut pas, c'est le bouclage. La technique est à notre service, c'est pas nous qu'on est au service à la technique. Bon, parce qu'il parlait quand même. Non. Donc il enlevait, il disait qu'est-ce qu'il faut faire? Il disait mettez une pièce de Sacha Guitry, ça fera toujours bon effet. Bon, attends. C'est toi qui as fait Dassault et Mort? Oui, oui, oui.
me rappelle très bien la manchette. Comment ça s'est passé? Un soir, moi, je faisais un journal qui s'appelait Le Quotidien de Paris, que tout le monde a oublié. Non, pas non, du... Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Silence, on coule. C'est un truc qui fait, c'est un truc qui fait. Dans chaque dîner, tous les soirs, et ça marche toujours. Personne n'est fait de théâtre. Alors vas-y. Et alors un soir, je vais au théâtre comme tous les soirs, et je laisse les rédacteurs en chef s'occuper de la deuxième édition, et qui bouclait vers minuit, à peu près minuit. Donc entre 9h et minuit, il y avait des changements, comme il y a dans tous les quotidiens. Et un correspondant anonyme téléphone au journal vers 10h. Et il a le rédacteur en chef de permanence et il lui dit « Je suis anonyme, mais vous pouvez vous fier à ma parole, Marcel Dassault est mort. » Et dans ces cas-là, dans les journaux, évidemment, on recoupe. On vérifie. Sauf au Quotidien de Paris. Non. On vérifie et puis évidemment, on s'assure qu'il y a ce qu'on appelle une viande froide, c'est-à-dire dans les réserves du journal, une biographie, tout ce qu'il faut pour faire une page à toute vitesse. Alors les rédacteurs cherchent la page, trouvent la page. Il y avait une viande froide, Marcel Dassault. On change la dernière page pendant que le rédacteur en chef recoupe, c'est-à-dire vérifie. Ce soir-là, les ministres étaient partis très tôt chez eux, enfin après le dîner. L'un d'entre eux, en tout cas, était parti, avait été appelé de toute urgence. Il y avait un problème et la femme du ministre dit à mon rédacteur en chef « Effectivement, mon mari vient de partir. » Il a été appelé de toute urgence. C'est une information crédible. Oui, vous pouvez y aller. Dassault est sûrement mort. D'ailleurs, il était très malade hier. Et la rédaction en chef n'arrive pas à me joindre puisque j'étais ailleurs. Et envoie la page. Et à la deuxième édition du journal, c'est-à-dire celle de Paris, sort à 5h du matin avec une grande manchette, Dassault est mort. Et une dernière... Tu te rappelles? Et une dernière page... Moi, je me rappelle très bien. Une dernière page qui était un excellent papier sur la vie et les œuvres de Marcel Dassault. Moi, j'étais rentré chez moi sans rien savoir. Et à 5h du matin, je reçois chez moi un coup de téléphone. C'était Serge Dassault. Serge Dassault m'appelle et me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Catastrophe. Mon père n'est pas mort. Qu'est-ce que vous avez fait? Mon père, j'ai les radios aussitôt après, RTL, Europe 1. Et où avez-vous cette information? Nous avons vérifié. Dassault n'est pas mort. Enfin, ce qui arrive parfois dans les journaux. Ah non, mais ce qui arrive une fois dans une vie. Tu te rappelles pas du tout ça. Mais attends, c'est une horreur. Très bien. Mais ça n'est pas. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Carême. C'est un croque-en-bouche de Carême. Ils sont pas chiés chez les Alexandre. C'est ça tous c'est les ça, soirs. Toi, oui, c'est ça, ce que dis. Tous les soirs, ils sont là, croque-en-bouche, chérie. Il faut découper la cuisine. D'accord. Merci. Vous allez venir avec moi. Et l'édition est en vente dans les kiosques. Dès le matin, dès 7h du matin. Alors, tout ce qu'on peut imaginer survient, c'est-à-dire que les gens prennent ça à la lettre, même malgré les démentis des radios. Et il y a quand même eu un petit mouvement de bourse le matin. Tu étais dans le coup, non? Pas du tout. Ah, oh, d'accord. Pas du tout. Il avait 10% chez Vera. Oui. Et Europe 1 m'invite avec Marcel Dassault à son journal de 13h. Et on fait une émission avec André Dumas. Qui a pris sa retraite l'année dernière. Alors j'arrive dans le studio, Marcel Dassault était déjà là. Il était hilar. Il me prend dans ses bras et on fait un dialogue, mais absolument inénarrable. Et il me sort un chèque. Toujours. Et vous me mettez 1 million d'abonnements. Et il me sort un chèque d'1 million de francs il est mort 1 an après. Pendant 1 an, je lui ai servi 1 million d'abonnements. C'est l'équivalent pour 1 million de francs d'abonnement. L'équivalent d'1 million de francs d'abonnement. Sérieux, Philippe, vous avez des nouvelles de Chevènement? Vous avez des nouvelles de Chevènement en ce moment? Pas récent, non. T'en as, toi? Comment il va? Il va se présenter en 2007? Non. Pourquoi non? Non, non, pas exagéré, mais une fois suffit. Mais bon, voilà. Si Mitterrand avait pensé ça une fois suffit, il n'aurait jamais été président, parce que c'est la troisième fois qu'il était élu. D'accord, mais enfin, c'est... Voilà, on voit bien, il partait avec plus d'atouts, quand même. Oui, il avait des atouts. Il avait plus d'atouts. Entre Chevènement et Fabius, tu choisis qui? Ah non, tu choisis qui? Entre Chevènement et Hollande, tu choisis qui? Moi, je choisirais quelqu'un qui se tait, en tout cas. Voilà. Qui ça? Qui se tait, en ce moment, ben oui. Ça n'existe pas, un homme politique qui se tait. Non, mais attends, on peut parler d'idées sans parler, sans... Mais moi, j'ai vu Julien Drey ici, dans cette pièce, disant que Jospin serait candidat, ce serait lui le candidat, que Jospin serait candidat en 2007. Moi, je peux le dire, j'ai, dans une émission de Michel Cotin, à 11h30 du matin, j'ai dit, je vous annonce aujourd'hui solennellement, avec un air de clown pour rigoler,
que monsieur Balladur est candidat à la présidence de la République. Et toi, tu as dit, oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Et j'ai dit, il n'y a pas... C'est un Premier ministre qui monte, donc il n'y a pas d'amitié, il n'y a rien. Il sera candidat. Un mois, deux, trois mois plus tard, il était candidat, il était machin. Donc aujourd'hui, je vous dis solennellement, monsieur Jospin est candidat. Voilà. Et si je me trompe, ça, ça roule. Et Chirac, maintenant. Et Sarkozy, est-ce que vous croyez que les Français le voient comme président de la République? Mais Philippe, oui, moi, je crois que les Français ont admis qu'il serait président de la République. C'est complètement différent. C'est inéluctable. Inéluctable, oh, non, ça, il en faut, hein, le chemin est long. Le seul problème de Sarkozy, c'est de savoir s'il osera être candidat si Chirac se représente. Parce que s'il n'est pas candidat, Chirac est battu, la Chirac qui disparaît et Sarkozy avec. S'il est candidat, il le fait battre. On est en 81, Chirac a tué Giscard. Sarkozy, il n'hésitera pas à le faire et il aura raison. Tu penses pas qu'en 2007, il va être candidat? Pourquoi pas? Pourquoi il ne serait pas candidat? Parce qu'il a fait deux mandats. Mais non, il sera candidat. Évidemment, tout plaît dans ce sens. Tout plaît dans ce sens. Un homme comme lui n'abandonne pas une minute de pouvoir. Et Bernadette et Claude, il est candidat. Regardez, regardez sur la surdité. Pourquoi ça les gêne tant? C'est pas pour le président, c'est pour le candidat. Mais Christophe, vous avez raison dans ce que vous dites. Moi, ma chère maman, qui connaissait Mitterrand depuis 1936, c'est une époque où elle entendait mal, c'était la fin de sa vie. Et en 88, et je lui ai dit, mais est-ce que tu crois qu'on est en train de se poser des questions pour savoir si Mitterrand va y aller? Elle me dit, elle est où? Je dis, ben, elle a... À la candidature. En quelle année? 88, deuxième mandat. Et elle m'a dit, il ira à la nage. Bon. Et ça, je m'en souviendrai toujours. Et elle le connaissait bien. À la nage. Non. Lui aussi. Mais il n'aime que mais ça. Il y a une différence entre deux et trois mandats. Je crois que deux mandats. Mais non, mais il veut faire plus que Mitterrand. Mitterrand fait 14 ans, il va en faire 17. Non, c'est pas vous allez voir. Mais si. Mais si, tout va. Vous voulez qu'il fasse quoi, Béatrice? Vous voulez qu'il aille au château de Bity entre Bernadette et ses chiens? Mais non, mais écoutez, je vous interdis de dire quoi que ce soit sur Bernadette ici. C'est pas une conversation de café du commerce qui va faire de la première dame de France une femme dont vous parlez comme ça. Non, mon cher. Toi, tu penses quoi? Je suis certain que Chirac n'ira pas. Chirac n'ira pas. Allez, Philippe, tu penses qu'il ira ou qu'il n'ira pas? Moi, j'ai parié qu'il irait. Mais cela dit, c'était un pari. On peut parier tout ce qu'on veut. Je crois que c'est vraiment impossible de le dire. Je pense que pour le moment, il donne l'impression d'être... un peu quand même là du pouvoir. Si j'avais plutôt une conviction, c'est qu'il n'ira pas. Parce que c'est tenter le diable que de faire 17 ans, que personne ne l'a fait dans la politique française, et que quelque chose me dit qu'il aime beaucoup une certaine forme de pouvoir, et surtout à l'étranger. Parce que là, effectivement, c'est mieux d'aller à Bamako et de se faire applaudir par des tas de Noirs, c'est formidable, mais que c'est plus difficile en France, et c'est vraiment sur la distance. Toi, tu penses pas? Moi, je pense pas, voilà. Toi, tu penses que oui? Oui, un seul argument. Moi, je pense que oui, Michel, pour une chose très simple. D'abord, il va regarder, il va sentir, parce qu'il sent assez bien l'opinion, donc il va sentir un an avant, 18 mois avant, s'il a une chance, d'être battu, il n'ira pas. S'il a une chance de gagner, il fonce. Les hommes vont vers ce qui les amuse. Même les hommes politiques. Oui, mais ça l'amuse moins. Surtout les hommes politiques. Je ne crois pas que les autres. Mitterrand avait des tas de trucs, il aimait beaucoup. Il avait sa fille, comme l'a révélé notre ami. Il avait les livres, il avait l'Égypte, il avait Venise. Mais lui aussi. Lui n'a rien. Il n'aime que ça. Le Japon, il a le Japon. Mais le Japon, tu y as cru au Japon et aux arts premiers, toi? Mais ils sont fous. Vous vous souvenez de cette scène formidable de Claude Allègre allant aux toilettes de l'Assemblée nationale et se retrouvant à côté de Balladur. Et Balladur lui dit, on est en pleine cohabitation. Et Balladur lui dit, il a tué Chaban, il a tué Giscard, il a tué Barre, il m'a tué, méfiez-vous. Non. Et j'ai repensé à cette anecdote quand j'ai vu le livre de Fabius, dont je suis sûr que vous avez parlé avant qu'on arrive. Il y a une page géniale, c'est un chapitre qui tient en une ligne. Jacques Chirac, injuste de le surestimer, dangereux de le sous-estimer. Ouais. Tout est dit. Si Jospin avait pensé cette page, il gagnait. Dire qu'on aime la Star Academy pour faire jeune, c'est honnêtement, c'est une faute marketing gravissime, ça. Moi, pour moi, c'est très grave. Un mec qui se croit obligé de dire qu'il aime la Starac pour faire jeune, c'est tellement... La question n'est pas de faire jeune. Vous ne croyez pas ça? C'est de faire peuple. Vous ne croyez pas? Moi, j'ai été à 20 ans le condisciple simultanément de Laurent Fabius et d'Alain Juppé. Ouais. Oh. Et on m'aurait dit à l'époque que ces deux-là allaient faire de la politique, je serais parti d'un grand éclat de rire. Ouais.
Mais on m'aurait dit en plus que c'est Juppé qui allait à droite et Fabius qui allait à droite. À gauche, j'aurais encore plus rigolé. Les journalistes aujourd'hui en France. Allez. Bon, il y a le juge Jean-Pierre qui fait un bouquin sur les vedettes de Taïwan. Ouais. Il vient à la télé, sur LCI, dans Tout le monde en parle, etc. Il raconte que y a les mecs, en fait, on ne sait même pas si l'opération n'aurait pas été montée uniquement pour toucher des rétrocommissions. C'est-à-dire qu'il y a une première chose qui est de dire l'opération a eu lieu, ils ont touché des commissions et des rétrocommissions. Et puis il y a aussi des gens qui disent ils ont monté toute l'opération uniquement pour les commissions et les rétrocommissions. Le mec vient à la télé, il annonce ça. Il dit il y a 19 noms dans un coffre. Le secret défense a été imposé d'abord par Fabius et ensuite par Omer. Pour des raisons, en fait, le secret défense, tant que ça touche à la défense, on peut le comprendre, mais quand ça touche au pognon, on comprend. Voilà, bon. C'est faux. Toi, tu dis, si la presse. Attends. Quand la presse sait quelque chose, elle le dit. Si la presse. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'elle le dise trop vite. Pas qu'elle cache. Mais sur Taïwan. La presse ne cache rien. Non, mais prends Taïwan. C'est un truc béotien. Tu veux l'explication? Oui. Quand les affaires de corruption dépassent l'entendement populaire, c'est-à-dire quand elles ont trait à des enjeux internationaux, des secrets défense, des affaires d'État, des choses comme ça, les gens décrochent et ne sont pas sensibles. Quand il y a trop de zéros, il faut que la corruption descende à l'étage de la vie privée. Oui, non, c'est bien pour ça qu'on nous a parlé. Écoutez, ou alors nous sommes de très mauvais journalistes. Non, mais oui, parce qu'au cœur de nous, il a même eu une proposition. Dans toute ma vie. Ah oui, moi non plus. Oui, une proposition pour dire si vous ne publiez pas ça ou si vous publiez vous ça, vous ça aurez tant. Je pense, j'aurais dit non. Mais la proposition ne m'a jamais été faite en 40 ans de postes importants dans des journaux. Non, mais c'est des questions que je me pose vraiment. Pierre Bénichou, comment vous expliquez, vous êtes des journalistes, comment vous expliquez qu'en France, on a fait tout un pathos sur les chaussures Berluti de Dumas, c'est l'arbre qui cache la forêt. Un smig à chaque pied, ça parle au juste. Écoutez, les chaussures de chez Berluti à 11 000 francs, mais c'est un cadeau, ça vous dit 8 000. Ce sont des affaires à l'échelle. Les chaussures, c'était ridicule, ça faisait rire. Et en France, le rire tue. Et Bérégovoy était ridicule aussi. Et c'est vrai que le ridicule tue. Personne ne répond à ma question. Mais si, on te répond, mais tu n'écoutes pas. Je vous donnerai la réponse dans 5 minutes. On te répond. Moi, je te donne un truc qu'on a vécu à peu près avec Philippe. On a dit l'histoire de Thierry Jean-Pierre. Moi, j'aime beaucoup Thierry Jean-Pierre, je le vois souvent. Mais enfin, il faut dire qu'il dit aussi beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies. Thierry Jean-Pierre, il a consacré une année ou peut-être davantage à faire une enquête. Et qu'actuellement, ça c'est un des problèmes de la presse, c'est qu'il n'y a aucun journal qui va détacher tout d'un coup un enquêteur en lui disant « Tu as 2 ans, tu nous sors toute la vérité, c'est pas payant, c'est pas possible économiquement. » Aucun journal n'a le moyen. Alors, quand on apprend que Jean-Pierre dit il y a 18 noms qui sont secrets de France. 19 noms. Ouais. Il les a vus, il les a lus. Il a enlevé le sien. Alors, il n'y a qu'à mettre monsieur Thierry Jean-Pierre en examen. Oh non, pas du tout. Le ministre de l'économie. Non, en demeure de livrer ses noms. Puisqu'il maintenant il ne risque plus rien. Pourquoi dire monsieur Jean-Pierre a dit ça et que des journalistes allaient se casser les dents là-dessus. S'il les connaît, puisqu'il n'est plus magistrat, qu'il aille les dire. Nous sommes assaillis sans arrêt dans les journaux de types qui savent exactement pourquoi Landru est innocent. Ouais. Comment Pompidou a tué machin. Comment De Gaulle en fait était l'amant d'Oscar Wilde. On reçoit des trucs comme ça avec des preuves, avec des machins et des lettres de fous que nous sommes seuls à savoir déceler à l'écriture. On voit que c'est un fou. Thierry Jean-Pierre, il n'a jamais dit que De Gaulle était l'amant d'Oscar Wilde. Pour Oscar Wilde, Il a été pris, à mon avis, par cette folie des machins. Je suis un révélateur, il faut que je révèle. Voilà. Les articles écrits sous la dictée des flics, moi je les ai lus. Moi j'ai entendu des fonctionnaires de police en réunion de cabinet me dire une version le matin, et l'après-midi je le lisais dans les journaux quand même. L'après-midi, un journal l'après-midi.
Un journal de l'après-midi. C'est une chose dont on a beaucoup parlé. Hey, tu sais combien. Mais c'est du boulot, comme dit Béatrice. On vient de manger un dessert à l'artichaut, Béatrice. T'as vu? Alors, Guy Martin, c'est vraiment un des très, très grands d'aujourd'hui. Ah, je suis content. J'ai l'imprimature de Philippe Alexandre. Non, parce que, Thierry, parce que pour une raison très simple, c'est qu'il respecte vraiment le produit du terroir. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de grands chefs qui trahissent et abattardissent la cuisine française. Est-ce que leurs 19 noms sont dans des coffres? Non. Si tu veux, priorité. Attendez, double ration de dessert ce soir, après Guy Martin et les artichauts. Ça, c'est carême, alors. Alors, explique. Gilles, oui, pourquoi on n'a pas les trucs de carême, là? Ils sont là, ils ont été déplacés. C'est ça? Et oui. Ah, bah quand c'est plus monté, c'est moins impressionnant. Une pièce démontée, c'est une pièce. C'est l'inventeur du petit four. Ah oui, donc, carême, Béatrix. Le dessous, non? Carême, l'inventeur du petit four. Voilà. Servez-vous, alors. Mais elle est déplotée maintenant. Mais c'est carême, l'inventeur du petit four. Pour vous, c'est carême, mais pour moi, c'est pas qui pour. C'est comme Pétain, ils ont plus le. C'est mon toit. C'est à mon toit. Le maréchal a 3 heures de lucidité par jour. Ne les loupez pas, disait son. Comment il s'appelait son. Le docteur Maréchal. C'est pourquoi tu te lèves, là. Docteur Maréchal. Docteur Ménestrel. Je me lève parce que je suis le seul qui puisse se lever ici. Matisse est un bar. Ah, j'adore. Où il y a beaucoup, beaucoup d'homosexuels. C'est le centre du monde, le Matisse. Et moi, j'y ai mes habitudes. Un petit bistrot à côté. Et je n'ai pas cette chance, ce malheur, cette particularité d'être homosexuel. Et j'y vais parce que j'aime bien, il y a beaucoup d'acteurs qui vont là, c'est l'endroit où je vais, et qui me fait penser à Castel d'avant. C'est vrai. Alors, en général, j'ai rendez-vous avec des amis, Claude Brasseur étant le plus Charlotte connu. Charlotte Taillot, le Baron Bredé, Alexis Gainsbourg. Il n'y a pas une femme, évidemment. On te demande. Si. Et il y a beaucoup de jolies filles qui viennent, c'est d'ailleurs pour ça que j'y vais. Mais parfois, j'arrive au rendez-vous avant les autres. Et je me trouve seul au bar avec 168 hommes. Et le patron m'aime bien, je le connais depuis longtemps, parce que j'ai fait des trucs avec lui. Et je me trouve là un peu gêné. Et en général, ils savent qui je suis, ils s'en foutent. Et un jour, je trouve un gigolo absolument ravissant, d'ailleurs, qui me faisait « Bonjour ». Bon, je lui dis « Salut, ça va, moi ?» tu vois, faisant un peu mon côté, bon, tu vois... Authentique. Non, mon côté Lino Ventura, ça va, toi, tu vois, bon, si, et je l'ai comme ça. Et puis, il me faisait chier. Et puis, ça se reproduit 3-4 fois. Et un jour, je dis au patron, je dis, écoute, dis à ce type-là qui m'emmerde, quelque chose comme ça. Et il me faisait, bon, d'accord, je vais lui dire, c'est un con, mais comment, il sait pas que t'es pas comme ça, hein. Et il va, genre, et le mec faisait, au lieu de me faire bonjour d'un air gay, il faisait, genre, battu, il me faisait, bonjour. Et un beau soir, je suis avec mon beau-fils, qui s'appelle Vincent Lindon, qui avait des problèmes. On a dîné ensemble, et tout ça. Je lui dis, on va boire un coup, où? Alors je lui dis, je préfère, il habitait Rive Droite à l'époque. Je lui dis, allons au Matisse. Et on va au Matisse tous les deux. Et on parle comme un père et un fils parlent. Et on est au bar. Et on boit des coups. Et au bout de 5 minutes, il me dit des trucs. Je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, non, on s'embrasse. Une fois, on s'embrasse deux fois, on s'embrasse trois fois. Et on boit nos coups, on est un peu bourrés, on sort vers 2h du matin et on passe. Et au moment où on me remet la vestiaire, me remet mon manteau, il y a le gigolo qui est là qui me dit « Bonsoir ah, !» Allez, vas-y. On les a déterrés dans le cimetière, on les a... Ah, chut. Param, param, la. J'en ai tout un cortège sur cette terre qui bat comme un cœur de bois. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Trop bas, y'a pas de raison pour que tu pleures pas. Avec tes souvenirs sur les bras, un jour cette terre me rendra folle. Pour toi j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi. Et sa voix couvre ma voix. Attention. Param, param, param. Écoutez le chahut qu'il me fait. Param, param, param. Comme si tout mon passé les filait. Non, bravo Tesson, bravo.
Ah, je vous adore. Bon, t'es heureux de vous avoir connu. Bah, moi aussi, hein. Je crois, vous avez intérêt à prendre tes... Attends, mais tu empêches la porte. N'avez pas peur. Non, le truc n'est pas tout ça, c'est... je peux vous être utile à quelque chose. Alors, le mec baisse la vitre et dit... Et à ce moment-là, la deuxième question la plus importante, c'est... Vous avez un local? Je suis très choquée. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.